Bon, la finale, on a eu un départ compliqué, je pense dû à l'enjeu, le fait qu'on ne se connaît pas, donc puisqu'il faut savoir que c'est la première fois qu'on joue ensemble toutes les trois, donc on se connaît en dehors, on se voit tous les week-ends, parce qu'il faut savoir que la pétanque c'est tous les week-ends, surtout pendant l'été, donc on se connaît mais pas forcément sur le terrain, donc on a eu un départ compliqué où on est mené 0-5, et ensuite on a su renverser la tendance et s'imposer 13-5 face à cette belle équipe suisse. C'est vrai qu'on est ici à Nice sur un site incroyable, c'est-à-dire que tous les points de vue au niveau des terrains, tout ça, c'est super joli. Bon, par contre, il faut savoir qu'il faut marcher, il faut monter. Et hier, ça a été une dure journée au niveau physique, on va dire. Surtout quand on est sur le premier national de l'année, donc la condition physique, elle est moins présente qu'en fin d'été. Mais on a fait globalement une très belle compétition, donc je suis plutôt satisfaite et que ça dure. Donc comme on a gagné le national, on va être invité l'année prochaine, donc on sera de nouveau à Nice en 2024. Ensuite, bon là on est sur le début de l'été, donc on va avoir tous les nationaux qui vont s'enchaîner, les plus gros nationaux, Palavas, Espalion, tout ça. Et ensuite, moi je fais partie de l'équipe nationale, donc d'équipe de France, donc j'espère que j'aurai des échéances nationales, internationales, pour pouvoir représenter mon pays au mieux et mon sponsor aussi, Toro, avec mes équipes, différentes équipes tout au long de l'année.